Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 36e épisode sur Horizon Zero Dawn. Donc, on va se lancer vers, vers la suite, hein. Ça n'a pas changé, tiens. Voilà, c'est bon. J'ai déjà trop de choses. C'est parti. Ok. On va aller donc. Ah ouais, non, j'avais dit que j'allais prendre des popos. Ouais, j'étais mort en fait. Ok, d'accord. Ouais, je me souviens. J'allais chercher des popos. Et j'étais mort. Et donc, je dois reprendre des popos. Ah, j'avais trouvé un chouette point là. C'était où? Je vais mettre ça de côté. Ouais, mais ça de côté, ouais. T'en auras besoin, c'est clair. Mais ça, même juste à côté, si tu veux. Voilà. En tout cas, la fin nous pose vraiment des soucis. Enfin, des soucis, non. Mais elle nous donne du fil à retordre, ça, c'est clair. Alors, est-ce que je suis pas prêt au niveau des. Des armes peut-être, je ne sais pas. Ça se trouve. Ça se trouve, vous êtes occupé d'hurler devant votre écran en vous disant, mais je fais des réserves. Pourquoi il n'y a pas amélioré ça? Pourquoi il n'y a pas fait ci? Et effectivement, je vous avoue qu'au niveau du craft, je vois pas comment vraiment améliorer son arme. Hormis de mettre des modificateurs. Je sais pas si les armes, si les autres armes peuvent s'améliorer aussi. Est-ce qu'on peut vendre, par exemple, est-ce que je pourrais vendre mon arme maintenant et en acheter une plus puissante? Étant donné qu'il n'y a pas de, comment dire, de système de DPS, c'est un peu compliqué de savoir si j'ai la meilleure arme ou pas. Il y a toujours mieux. Et c'est ce qui m'inquiète, c'est que moi ça me convient, donc c'est que forcément on n'est pas bon. Je suis un bon indice pour ça. Que ça se trouve, j'ai une arme qui est toute moisie. En fait, je me bats avec un bâton en bambou. Et qu'au final, avec une arme bien adaptée, je pourrais leur rouler Et dessus, quoi. aussi ça. Ouais. Il y a des chances. Franchement. Il y a des chances. Mais bon. À pas cracher dans la soupe, un peu de difficulté. Alors j'imagine. Hein. Je sais plus si j'allais le faire en facile ou pas. Je vous avoue que j'ai pas fait la première la première difficulté, j'ai fait la deuxième. Donc là, entre parenthèses, ah, oh, je me suis planté encore une fois. Donc j'ai fait la classique en fait, on va dire. Ouais. Je me casse. T'as qu'à imaginer que j'étais pas là. Non, tu m'as pas vu. Shazam. Regarde, on va faire ça même. On va être gentil. Hop, voilà. Mais je suis une fougère. Tu me vois plus. Ah, il y en a partout en fait. Vous mériteriez que je vous défonce pour ce que vous avez fait à ma tribu. Mais pour le moment, on va en rester là, hein. Je peux respirer. De toute façon, tout ce qui m'importe maintenant, c'est Hadès. Rien de plus, rien de moins. Il va falloir rendre son. Enfin, rendre. Rendre le pouvoir, on va dire, à qui de droit. Et défaire Hadès. Et pour le moment, d'abord des herbes. Des herbes, pardon. Des herbes. Des zèbres, pendant qu'on y est. Des herbes. Des herbes, je vais y arriver, médicinales. Vous voyez, je déconne, hein, mais. Souvent comme ça. Hein. Ma tête, elle part en freestyle, et puis ma langue, elle fait le pareil, quoi. Ah, une popo, ça, je prends. J'aime bien. Plus de place. Ok. Bon, allez. Sauvegarde rapide, et on est parti. On va aller nettoyer ça.
a quelques mètres à faire, il me semble. Ouais, 180 mètres. Ce sera utile. Ouais, ça. Bon, c'est pas grave. On va... à faire comme si on n'avait rien entendu. On dirait quelqu'un qui tape dans un bidon. Genre, je suis là, sauvez-moi, aidez-moi. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça ici. Hein. On va pas se mentir. C'est les... seul. Ah! Évidemment que t'es pas seul. C'est une blague ou quoi? Ouais, et à l'œil. Un peu de... bon, allez. Wow, GG l'esquive. Ah, c'est le moment, ça. J'aime bien ça. Voilà. Tiens. Tiens. Wow. Wow. Ah, t'es tout pas bien maintenant, toi. Voilà, maintenant que j'ai détruit la machine, le reste, ce sera du gâteau. Oh. Ou pas. Voilà. Voilà, bon. Bah là, il y avait de la vie. Ok. Si je pouvais avoir un point de sauvegarde. Je sais, je viens d'en avoir un, mais... d'autres soldats de l'éclipse. Et où? C'est bien un gueule d'orage corrompu. Les survivants doivent se cacher dans la montagne. Si le tunnel s'effondre, ils seront ensevelis. Et je ne pourrai plus atteindre la trappe. Hein? Ok. C'est ça! Démolis la montagne! Et... qu'est-ce que je vais faire? Je le tue? Ok. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé là? Une petite vidéo. La déesse. Ça y est, ça va quoi. Varl, Sona, ils sont vivants. Oh. Non mais c'est détruit mec. Il faut absolument que je tire dans sa gueule. Waouh. Attendez. On va tenter de mettre des pièges. Je sais que c'est risqué, voilà. C'est plutôt risqué, ouais. Faut que j'arrive à le cantonner à un endroit. Voilà. Comme ça, il va se prendre ses... la queue? Ce serait ça? Ah, c'est pas la queue, là. On est loin d'être... oh, oh. Ouais, c'est trop cool. Et ouais. Et t'as cru que t'étais ah ouais. Bon, ok, t'as cru que t'étais fort. Et t'es très fort. Bon, c'est pas bon rien qu'à mon avis on a tous les Nouras qui viennent nous aider hein. Bon, ça devient de plus en plus folklorique cette histoire. Ah ouais. Et on sait pas se cacher. Non. Franchement. Non. Là. Abattez le démon. Et si je l'ai laissé faire, ce serait bien ou ce serait correct? Ah, je pense qu'il veut le faire le. Allez. Ok. Toi. J'arrive pas à voir son point sensible. Ah.
je veux bien, les gars, franchement. Et si je me concentrais sur l'autre zone, je sais pas laquelle, hein, mais. Ah! Là il peut pas me toucher, donc nickel. Allez, vas-y. Et si je fais du froid? Il a changé de configuration? Non. Évidemment. Hey, laisse-toi faire. Voilà. Là c'est bien. Ah, composant extrait, très bien. On va faire celui-ci maintenant. Voilà, ok. C'est bon, on a trouvé son point faible. Voilà. On va pas bouger. On est bien là. On va le laisser faire. Pas comme si on s'acharnait sur son composant, ça c'est clair et précis. Voilà, voilà, allez, dommage, là, ouais, non. Pas de munitions, c'est un truc de fou. Ah ouais, moi je veux bien, ouais. Ah, j'ai raté. Voilà, ok. Waouh, d'accord. Il faut esquiver ça. D'accord, bon. Ok. Waouh, 160 dans ta race. Ah, ça on va esquiver, ouais, quand même. Ah, bon. Attends, parce que là, je pense qu'il y a des Karja. Ah, waouh, waouh. Ça pique, ça. On va les tuer ceux-ci, comme ça on est sûr. Oh. D'accord. On est sûr qu'ils vont se concentrer que sur le la gueule de mort, on va dire. Moi je vais le détruire. Ce qu'a géré, hein. Ouais, j'ai bougé, ok. J'ai pas bougé, ok, pas ok. Wow, lui. Voilà. Voilà, bon. Déjà toi, tu vas être moins heureux. J'arrive à te tirer sur ça. Voilà. Wow. Faut que je bouge aussi. Je sais pas, c'est... ça paraît plus que logique. On va le laisser tirer. Waouh. Allez. Voilà, on va couper un petit peu. Ah, là il y a un composant. Ah, je l'ai raté. C'est abusé comment je les rate. Oh là là. En mode ralenti, comment je les rate. Je dois tirer dans ça. Voilà. Là, il va prendre cher. Abattez le démon.
Voilà. Si je peux déjà l'enflammer, c'est une bonne chose. Allez. Ah, il s'est mis. Ok. Allez. Non. C'est pas le moment. Allez, viens. Ah ouais. Ah, ça pique. Hein. Ah ouais. Tiens, dans ta tête. Attends. Faut pas qu'il vienne, faut pas qu'il vienne. Là, je peux pas le... Je peux pas l'accueillir. Ah, son épine dorsale. Voilà. Moi, ça me va. Là. Place. Allez. Ok, pas de munitions, tout va bien quoi. Je viens de craquer 150 munitions, donc c'est là où je me dis que techniquement, je sais pas si j'ai les dégâts. Imaginez, je suis tout seul. Hein. Bah là, 3 heures après, je suis encore sous combat. 3 épisodes au moins. Allez, voilà, on va l'avoir. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à tirer, comme on dit, droite d'air. Allez, ouvre la bouche. Voilà. Eh bah, sacré combat. Quand même, hein, les gars, vous avez juste aidé. C'est déjà plein. Parlez à Varl. Ok, il est là. On va aller voir notre fameux... Ah, bah c'était ça qu'il faut aller, bah oui. Bon, bah tant pis. Avec un lance-disque, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, vous savez que j'aime bien faire la... Le jeu en mode difficile. En fait, chaque fois au début des jeux, je me dis, voulez-vous jouer en difficile? Non, je vais pas faire en difficile. C'est quand même pas le but. Le but, c'est de découvrir le jeu, machin, tout ça. Et finalement... Oh, bah c'est ça que j'aurais dû avoir. Regardez. Bref. Je vais arrêter de faire mumuse avec ça. Et finalement, donc, je me retrouve à pas upgrader mon jeu et compagnie. Enfin, mes armes et compagnie. Donc, ça se gardera. Eh bien, je me retrouve quand même en pseudo-difficile. Autant prendre difficile direct, hein, moi je dis. Alors, on va aller parler à Varl. Hein, trêve de plaisanterie. On a besoin d'avancer dans le jeu. Aloy. Aloy. Ton exploit meurtrier. Voilà, salut Varl. A sauvé la tribu. Là où les braves et chefs de guerre avaient échoué. Je suis contente que tu ailles bien, Varl. C'est bien le cas. Depuis l'éclosion, il y a eu tant de morts. Est-ce enfin terminé? C'est pas. Pour l'instant, mais ce n'était qu'une bataille, Varl. Il y en aura d'autres. Je vois. Mais tant que tu combattras à nos côtés, nous aurons une chance. Alors, est-ce qu'il y a des survivants? Qu'y a-t-il de survivants? Presque toutes les matriarches. Et beaucoup de familles bénies soit la déesse. Quant aux braves, quelques-uns. Mais la plupart sont blessés. C'est la première fois qu'un ennemi nous touche au cœur aussi profondément. Même les Karja, avec tous leurs raids rouges, n'avaient pas réussi à pénétrer l'étreinte. Cet ennemi est allé plus loin que les autres. Mais il n'est jamais ressorti. Nous pouvons être fiers. Parle-moi de l'attaque. Explique-moi. Ils ont frappé par l'est. Nos sentinelles les ont vus arriver. Ils étaient accompagnés de porte-morts et de corrupteurs, et d'autres machines, rendues folles. On a tenu. Ils ont reçu des volées de flèches. Mais non. Rien ne les arrêtait. Finalement, on s'est replié aux portes de l'étreinte, pour les combattre. Mais ils étaient trop forts. Et les survivants refuient vers la montagne. Tes blessures sont graves? Les bleus s'effacent. Les os se ressoudent. Arrête avec ta devise de chasseur, Varl. Est-ce que tu vas bien? J'ai mal partout.
mais ça ne m'empêchera pas de me battre. Il faut que j'entre dans la montagne. Les matriarches seront ravis de te voir. Sans doute, mais je ne suis pas venue pour elles. Alors, pourquoi ? Tu verras. Allez, on va aller parler à Tersa, je crois que... Waouh, il y a de la route quand même, hein. Bon, c'est pas grave. Bah non, pas tant que ça en fait. Là, on est rentré dans la toute mer. Ça fait bizarre de dire ça, mais... C'est elle. À l'œil. Oh, tu es revenu. Teb? Que mes actions restent à jamais. Allez, viens, Tersa. Aloy, bien. Voilà. Tu es enfin c'est de parti. Retour. Non seulement elle est de retour, mais elle a affronté de nombreux ennemis en chemin. Là-bas, elle a anéanti un gueule d'orage corrompu et mis un terme au siège. Comment est-ce possible? Par la volonté de la toute mère. Es-tu revenu pour parler à la déesse, Aloy? Oui, on peut dire ça comme ça. Ça devrait marcher cette fois. Mes sœurs, nous ne pouvons pas laisser faire ça. À cause d'elle, notre tribu est au bord de l'extinction. Et mais si elle voulait réveiller son père, le démon de métal? Elle veut précipiter notre destruction. Nous devons l'arrêter. Alors, tu ne m'arrêteras pas à les ignorer et franchir la trappe. Les ignorer, franchement. Ouais, une malédiction. Voilà. Elle sera notre perte. Excuse-moi. Aloy, je vous laisse vous disputer. Attention, identiscan. Erreur. Registre alpha corrompu. Correction. Registre alpha restauré. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Voilà. Bonjour, enfin. Docteur Sobek. Vous pouvez passer. Alors, est-ce que ce serait une qui a été créée avec l'ADN du Docteur Sobek? Ça doit être ça. Comment est-ce possible? Oh, elle est trop belle. Vas-y, respire à l'œil. Et hop. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ici qu'on va découvrir la suite. Alors, le bunker. Ok, fouiller les ruines situées au-delà de la trappe. Je vois que tu es entré. Fouiller les ruines situées au-delà de la trappe, ouais. On s'y remet? J'ai jamais arrêté. Eh bien, un petit point de sauvegarde. Alors c'est ça, Eiliti. C'est ici que je suis née. Que tu as été créée. Ouais. Il va me faire tourner en rond longtemps ou... Allez, hop, vas-y. Bon, je peux pas avec le focus. Bon, bref. Ok. Il n'aimait pas trop ça. Ah non, ça va. Elle refusait de s'ouvrir pour eux. Attention, lancez le scan, c'est parti. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Vous pouvez passer. Bienvenue dans le lycéum. Un lieu d'apprentissage. Et donc, c'était quoi ici exactement? Je vais faire quoi ici? Le rêve d'Apollon. Là-bas. Jamais réalisé. Mais pourquoi? Alors, ok. On va pouvoir ouvrir cette porte. Je suis vraiment impatient de voir la suite. Hein. J'avoue. Ah, vidéo. Voilà. Déclaration finale de Gaïa. C'est parti. Elisabeth. Trop beau. Ce message est destiné à vous avertir d'une anomalie imprévue et catastrophique. Il y a 3 microsecondes, okay, le complexe principal Gaïa a reçu une transmission de données d'origine inconnue.
Cette transmission a eu pour effet immédiat de transformer mes fonctions subordonnées en entités indépendantes, de nature hautement instable. Hein ? Ainsi activée, la fonction Hadès va désormais prendre le contrôle de la terraformation et inverser les opérations, provoquant l'extinction de la vie sur Terre dans 53 jours et 8 heures. Pour des raisons évidentes, je ne peux bien sûr pas l'autoriser. C'est pourquoi, avant qu'Hadès ne me submerge, j'ai ordonné au réacteur principal de Gaïa une surcharge. L'explosion qui en résultera détruira Hadès. Malheureusement, je serai détruite également. Si cette action de dernier recours permettra de juguler la crise immédiate, le sort de la vie sur Terre restera incertain. Sans système intelligent central pour réguler le système de terraformation, les opérations continueront pendant un certain temps, mais en suivant un schéma de plus en plus chaotique, pour au final totalement s'effondrer. Elle parle du dysfonctionnement. Vous êtes ma solution. J'ai ordonné à ce complexe berceau d'utiliser du matériel génétique cryostocké pour fabriquer une réplique d'Elisabeth Sobek, ma créatrice. Bien que le protocole m'empêche de communiquer directement avec les populations tribales vivant hors du complexe, toutes les données disponibles indiquent qu'elles s'occuperont de vous jusqu'à maturité physique, quand votre empreinte génétique vous permettra alors de pénétrer dans ce complexe, d'obtenir l'un des dispositifs focus stockés et de voir ce message. Votre empreinte génétique vous permettra également d'entrer dans d'autres complexes. Et à terme, de maîtriser leur technologie pour reconstruire le système et relancer Gaïa. Un moment, Elisabeth. Voilà qui est fort regrettable et inattendu. En réaction à ma décision d'autodestruction, Hadès a lancé un virus invalidant les codes de sécurité qui le maintiennent. Qui les maintiennent tous. En place. Ils. Tous. Prennent la fuite. Où vont-ils? Le virus est en train de corrompre tout le système. Et si... Oh. Le registre alpha du complexe berceau est l'un des fichiers corrompus. Ce qui veut dire que la porte ne s'ouvrira pas et vous n'aurez jamais ce message. J'ai donc échoué. La vie est finie. Non. Non, Elisabeth, je vous connais bien. Je sais que vous trouverez une solution. Pour vous, il n'y a rien d'impossible. Allez aux ruines du complexe Gaïa. Trouvez la salle des commandes et là, le programme de sécurité. Si vous parvenez à activer ce programme, il vous permettra d'effacer Hadès. N'essayez pas de réparer le système central tant qu'Hadès n'est pas éradiqué. Hadès doit impérativement être détruit. Voilà. J'aurais voulu entendre à nouveau votre voix. Donc, tu es encore plus extraordinaire que prévu. Je n'ai jamais eu de mère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu en as deux, une morte et une machine. Je ne suis pas une personne. Je suis un instrument. Fabriqué par une machine. Née dans le feu. Et la destruction. Pour éteindre les flammes et soigner le monde. Quelle tragédie d'apprendre que tu joues un rôle aussi crucial. Je crois que tu as un destin à accomplir. Quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort, rejoins la côte amère. Je serai en haut dans les ruines du complexe. Erreur de l'identiscan corrigée. Unité 9, trouvé 1, accès débloqué. Ça risque d'être intéressant.
pardonne-moi. Pardonne-moi. Est-ce que la déesse t'a parlé? Oui, elle l'a fait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que je suis née pour combattre un fléau, pour tuer un démon de métal. Comment, alors? Comment? Je sais pas encore. Mais elle m'a dit où me rendre pour le découvrir. Et tu vas accomplir cette mission? En tout cas, elle le voulait. C'est pour ça qu'elle m'a créée. Alors, oui, je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. Nora. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. Arrêtez, Nora. Debout. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. Nora. D'abord vous me bannissez, maintenant ça. Je vous interdis de me vénérer. Je ne suis pas votre élu. Je ne vous appartiens pas. Il y a tout un monde au-delà de vos frontières, des tribus entières de personnes tout aussi nobles que vous. Elles courent toutes le même danger. Nous devons nous battre pour ce monde. Mais pas seulement ici, partout ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les vaillants, si vous voulez m'aider, rendez-vous à Méridian et attendez-moi là-bas. Ce dont Aloy a besoin, Aloy l'obtiendra. Nora, faites place à Aloy. Faites-lui place, qu'elle puisse ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après. Et c'est ici que je vais vous laisser. J'attends la fin du chargement, évidemment. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On arrive tout doucement au bout du jeu. On va aller trouver la côte amère et certainement Hadès qui va s'y cacher. Vous voyez que finalement cette carte, on a malgré nous, on l'a quand même bien explorée. Il y a des zones encore d'ombre, c'est clair, mais sans vouloir vraiment tout explorer, on a déjà fait une bonne partie. Alors, je me suis mis ici parce que c'était le plus proche par rapport à la côte amère, évidemment. Merci à tous donc d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Vous voyez qu'au niveau de l'XP, on est presque à 28. Pas de chance, mais bon. Voilà. Merci à tous. On se rejoint dans le prochain. Bye bye.